Merci à tous d'être là en tout cas, vraiment. Je vais juste vous dire quelques mots. Madame la députée Fadila Khattabi, chère Fadila, monsieur le maire Alain Suguenot, cher Alain, je ne sais pas s'il est déjà là, mais il va arriver. Monsieur le vice-président du conseil départemental, Jean-Pierre Bourgeon, qui représente ce soir également le président du conseil départemental, François Sauvadet. Madame la conseillère départementale et première adjointe à la mairie de Beaune, Marie-Laure Frakic, chère Marie-Laure, cher Jean-Pierre. Monsieur le maire de Sainte-Marie-la-Blanche, Michel Quiné, cher Michel. Chers élus, chers partenaires, chers amis, je tiens sincèrement à remercier chacun d'entre vous qui avait répondu présent à cette invitation pour cette soirée qui se tient dans un lieu d'exception qui sont les caves patriarches. Un grand merci notamment à Brice Paveux, directeur général du groupe Critères Patriarches, qui est présent d'ailleurs et que j'inviterai tout à l'heure à dire un petit mot. Merci à Frédéric Pétrieux, à Jean-Michel Galette et à Léa Rébé qui a fait un travail exceptionnel, qui nous accueille ce soir. On peut déjà les applaudir pour cette belle réception. Que de chemin parcouru par l'équipe du magazine depuis sa création en 2011. Quelle belle aventure pour moi qui, comme vous le savez, après être sorti d'une émission télévisuelle à succès, j'ai eu la chance d'entamer des tournées musicales et partager la scène avec de grands artistes jusqu'en 2010. Une expérience hors du commun qui m'a définitivement convaincu qu'un rêve, qu'un objectif ne peut être atteint qu'en se surpassant et en donnant le meilleur de soi-même pour les autres. Après ce parcours, devenir éditeur d'un magazine n'a certes pas été toujours facile. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu Welcome Magazine depuis sa création, ceux qui sont venus le rejoindre au fil du temps, et peut-être ceux qui le découvriront ce soir. Vraiment, merci à tous, sans oublier toutes celles et ceux qui m'ont accueilli à mon arrivée à Beaune en 2004. Une ville tellement riche, terre de traditions, de valeurs et de cultures, une ville que je chéris aujourd'hui plus que tout. Welcome Magazine fête cette année ses 7 ans de parution en Bourgogne-Franche-Comté. Nous fêtons aussi le premier anniversaire de son édition en Marrakech et la prochaine naissance d'une nouvelle édition dans les Pyrénées-Orientales dès le printemps prochain. Je tiens d'abord à saluer la présence de mon équipe de Perpignan, venue tout spécialement aujourd'hui pour l'occasion, Rebecca et Florian Bourgin, un grand merci d'être là, et un merci tout particulier à Stéphane Cessé, un ami, un soutien précieux, propriétaire de champagne Borlengroff et du caviar romain Caviros. Merci beaucoup. Si Welcome Magazine évolue chaque trimestre et existe à travers ces régions, c'est grâce à la confiance de nos partenaires fidèles et à l'équipe du magazine que j'aimerais saluer ce soir. D'abord Jean-Michel Torrente, qui fait un travail remarquable pour la commercialisation de supports sur notre belle région. Il y a 7 ans, nos chemins se sont croisés, et depuis tu es non seulement mon ami, mais tu fais partie de la famille. Tu es un homme loyal avec de belles valeurs, et je te remercie d'être à mes côtés. Je veux saluer aussi mon équipe rédactionnelle qui va à la rencontre de célébrités, de personnalités, de chefs cuisiniers, artisans, et qui apporte chacun son style et sa signature. Je voudrais les citer Bruno Courteau, Sandrine Desamorines, Philippe Hervieux, Damien Moutiron, Solange Bassin, Charlène Ravra, notre correspondante à Paris, et Val Cal, notre correspondante à Los Angeles. Je veux remercier aussi notre graphiste Théo Lespinard, notre photographe Fox, ils mettent en valeur nos reportages. Et enfin, notre traductrice Estelle Poré, pour les versions anglaises de nos articles. Je veux le dire à tous, combien je suis heureux de partager ces instants uniques. Je vous demande de les applaudir, comme je vous demande de vous applaudir aussi, car rien n'aurait pu être possible sans vous. Merci beaucoup. Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour un message d'ordre un peu plus personnel, en rendant hommage à celles qui me supportent au quotidien, celles qui m'écoutent, celles qui me conseillent. C'est ma fiancée, la maman de mon tout dernier garçon, une maman exemplaire, que je vais d'ailleurs épouser en juin prochain.
Un coup de tort. J'ai tellement de chance de te voir, je sais pas où tu es, mais merci du fond du cœur pour ta patience et ton amour. Merci ma chérie. Il est temps maintenant de laisser la place aux agapes et de remercier des fidèles partenaires. Dès votre arrivée, vous avez été accueillis par de vrais bourguignons. Les cœurs de la vigne au vin. Qui étaient tout à l'heure dans les caves. Tout le monde les a eus, je pense. Hein. Voilà. On peut applaudir, bien sûr, chaleureusement. Ils vont faire un petit tour sur scène tout à l'heure. Côté vin, c'est bien évidemment la maison patriarche qui nous régale en nous faisant ce soir sa sélection. Côté traiteur, c'est un ami, c'est le restaurant La Baronne et son équipe qui, à travers les saveurs italiennes, nous font voyager. Vous aurez la chance, tout à l'heure, juste après le défilé, parce qu'il va y avoir un défilé, de goûter au risotto flambé dans la meule de parmesan, 30 mois d'affinage. Vous allez voir, c'est un vrai show. Alberto, merci beaucoup, et à toute l'équipe aussi. Et puis, vous avez pu découvrir le stand, j'y tenais, le stand de la confrérie de la moutarde de Dijon, que j'ai voulu ce soir à Beaune. C'est des gens formidables. Je suis très heureux de recevoir et remercier le grand maître de nous offrir ce soir quelques secrets d'héritage sur la moutarde de Bourgogne. Côté animation, il y a de la magie avec Fred, le magicien, que vous avez aussi pu voir tout à l'heure. Et tout au long de cette soirée, vous découvrirez une artiste pleine de sensibilité que j'aime beaucoup, avec une voix suave, chaleureuse, vraiment. C'est Mélodie, et je vous demande, s'il vous plaît, de leur faire à tous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, je ne vais pas être plus long. La soirée va débuter par un défilé de mode. Nous avons la chance d'accueillir pour ce défilé quelques Miss Bourgogne. Je remercie d'ailleurs le comité Miss Bourgogne et ses représentants présents ce soir pour leur partenariat. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de découvrir les collections prêt-à-porter de la boutique L'Imprévu, rue d'Alsace, les collections de lingerie de la boutique Promise, place au beurre, et le styliste Laurent Crépeau, qui est connu pour habiller les Miss France, qui est là ce soir aussi, avec ses magnifiques créations. Merci à Sylvie Martin du salon En Aparté à Chalon-sur-Saône pour les coiffures et maquillages. Et notre photographe de la soirée, Joseph, que vous avez pu voir dans les caves tout à l'heure. Sans oublier Béatrice Debeau, image associée pour cette photobox. Pardon. Allez-y, hein, c'est sympa, vous allez voir, vous partirez avec un super souvenir. Ce cadre magnifique, merci Béatrice. Juste avant, nous allons juste recevoir Monsieur Jean-Pierre Recougeant qui a un petit mot à nous dire pour le président Sauvanet. Marie-Laure Raki qui n'est pas encore arrivée, mais elle m'a dit de te confier cette mission, je t'en prie Jean-Pierre. Qu'on peut applaudir bien fort s'il vous plaît. Bon, ben, très brièvement, mon cher Mario, je te remercie pour cette superbe soirée avec autant d'invités. Mario, tout le monde le connaît, il a un passé, c'est la chanson. On a tous été accrochés à nos postes de télévision en attendant la victoire qui aurait pu être là, mais non, ça n'a pas été le cas. Mario, il est en présent, c'est Welcome Magazine, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et puis il a peut-être un avenir sur le pays baudouin, c'est ce qu'on a cru comprendre en lisant le billet public il y a quelques jours. Et aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. L'actualité, c'est Welcome Magazine, ce superbe document que tout le monde attend. C'est un événement, on l'attend comme d'autres. Et c'est véritablement la référence de printemps qui démarre la saison. Donc je voudrais te dire, Mario, un grand bravo, un grand merci, parce que ce que tu fais est bien, vraiment très très bien. Et puis une progression d'année en année, 7 ans déjà. Je trouve que si on reprenait le premier numéro, on s'apercevrait que ça a bien changé, ça a bien évolué. Ça s'est élargi, ça s'est bonifié, comme le vin. Et je voudrais vraiment te dire un grand merci. Alors sache qu'on a toujours beaucoup de plaisir d'être avec toi. Tu as cité tous tes partenaires, je ne veux pas les citer à nouveau, je les remercie en tout cas. Et puis, je suis convaincu qu'on va tous ensemble pendant encore très longtemps passer une très bonne soirée. Je voudrais aussi saluer, excuser plutôt François Sauvanet, qui n'est pas là ce soir, qui m'a demandé de le représenter. Je n'ai pas dit non, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc c'est aussi un grand moment de bonheur d'être avec toi. Voilà, je te fais la bise, Mario. Merci beaucoup. Je voudrais rapidement, parce qu'il est là, l'un des premiers à avoir soutenu le magazine par simple amitié, parce qu'il n'y avait rien encore à l'époque, c'est mon ami Jean-Louis Botiliero. Je vous demande d'applaudir très fort parce que c'est un loyal, sincère et fidèle. Merci beaucoup pour ton amitié, Jean-Louis. Merci beaucoup. Voilà, donc, juste avant, nous allons vous passer une petite vidéo. Vous allez voir, voilà, là, hop.
Une petite vidéo qui a été réalisée par Jérémy Joux, que je remercie vraiment. Elle sera suivie de quelques messages reçus par certains amis qui ont fait confiance à Welcome Magazine. Je pense que vous allez en reconnaître quelques-uns. Et après, place au défilé de mode et à cette soirée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et vraiment du fond du cœur, merci. Que tout le monde le lise, que ce soit la Bible, le livre de chevet, que toutes tes informations soient les scoops les plus fantastiques au monde. Moi, je l'adore, en tout cas. Et peut-être il faudrait que tu penses à m'abonner quand même. Je t'embrasse. Ciao. Salut mon Mario et salut à toute l'équipe de Welcome Magazine. Je vous souhaite évidemment longue vie et je me joins à tous mes camarades pour vous souhaiter le meilleur. Ciao à tous. Salut Mario, salut à tous. Vous me surprenez en pleine séance de travail. Alors j'ai une petite pensée pour vous. Je voulais juste souhaiter longue vie, très très longue vie et beaucoup de succès à Welcome Magazine. Allez, passez une belle soirée. À très vite. Je vous laisse parce que j'ai vraiment du boulot là. Ciao les amis. 4, go. Hello Mario, c'est Bruno, le directeur de casting de The Voice, The Voice Kids et des comédies musicales. Je voulais vous souhaiter à tous un bon anniversaire à Welcome Magazine dans cette belle ville de Bourgogne. Je crois que nous sommes en Bourgogne, je ne me trompe pas. Donc voilà, donc à Dijon. Nous sommes tous à Dijon. Et bien voilà, je vous souhaite un bel anniversaire et je vous dis à bientôt pour ce concours de chant où je vais à peu près chaque année. Des bisous Mario et bonne chance. Ciao. Salut à tous, je suis heureux de pouvoir vous envoyer ce petit message. De souhaiter longue vie à Welcome Magazine. Je vous embrasse. Salut, petite vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Welcome Magazine et à toute son équipe. Bravo, happy five et joyeux Noël. Ciao. Dans les embouteillages à Paris, je lis Welcome Magazine. Un grand bravo, Mario, pour ton travail. Depuis longtemps, tu as le cœur de ton arc et tu as un homme d'élégance et surtout. Un homme qui voit, et quand on voit, on va à la fois chanter, partager, faire rire, et surtout transmettre des images magnifiques. Merci à toi. Salut. Bonjour à tous, c'est Maëlle pour Miss France 2018. Je n'ai pas pu être présent ce soir. Je pense bien à vous, je suis très heureuse de faire la couverture de Welcome Magazine. J'embrasse toute la Bourgogne et vous souhaite une très bonne soirée. Bon, bisous.